Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans ce moment de prière important, une prière que vous pourrez réécouter à chaque fois où vous êtes dans un combat, où vous avez besoin de protection divine. Je vous encourage à écouter cette prière. Vous avancez à 2 minutes sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, et on sera directement dans la prière. Je vais vous partager cette parole que Jésus a donnée. Juste avant de repartir, il a dit « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. » C'est là qu'ils me verront. Et en partant, il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On a vraiment cette promesse de la présence du Seigneur Jésus sur nous et avec nous. J'aimerais vous dire aujourd'hui que peut-être vous vous sentez mal, peut-être vous vous sentez seul, peut-être vous vous sentez oppressé. Peut-être vous avez prié, on a prié pour vous et vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Je voudrais vous dire qu'il y a quelqu'un, ce Jésus que vous avez prié, ce Jésus à qui peut-être vous avez crié, et peut-être même ce Jésus que vous avez commencé à accuser, peut-être à ressentir une amertume, une colère contre lui, ce Jésus vous dit, sois sans crainte. Ne doute pas. Crois seulement. Ce Jésus vous dit, voici, je suis avec toi jusqu'à la fin de ta vie et éternellement. Ne crains pas. Quelle que soit la montagne qui se situe en face de toi, quelle que soit la tempête qui se lève contre toi, quelles que soient les vagues qui viennent te percuter, quelles que soient les accusations, quelles que soient les souffrances que tu peux ressentir, Dieu est là aujourd'hui pour te dire qu'il est présent. Il est présent. Jésus est présent dans ce combat, il va se lever. Je voudrais vous parler de la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est comme moi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus. On n'est pas seul. Et cette présence du Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est pour nous un héritage. C'est quelque chose qu'on peut vivre aujourd'hui. Être rempli du Saint-Esprit. Et je prie que vous soyez remplis à déborder du Saint-Esprit. Je prie que, peut-être même ça fait 700 fois que vous écoutez Prière Inspirée, peut-être vous êtes là depuis le début, mais aujourd'hui, qu'il naisse dans votre cœur un nouveau désir, qu'il naisse dans votre cœur un nouvel élan pour la prière, pour la présence de Dieu, qu'il naisse dans votre cœur une nouvelle soif, une nouvelle faim, qu'il naisse dans votre cœur un désir pour connaître la personne du Saint-Esprit, pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, au-delà même d'être libéré de ses chaînes dont il vous a déjà libéré, le connaître. Prions ensemble. Vous pouvez répéter ces paroles après moi, pendant que l'Esprit de Jésus travaille avec sa parole pour l'accomplir. Père, c'est toi qui as déclaré à mon sujet, si l'on m'attaque, cela ne viendra pas de toi. Et quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Voici, tu as créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais tu as aussi créé le destructeur pour la briser. Tu as déclaré dans ta parole que toute arme forgée contre moi sera sans effet et que toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, tu la condamneras. Tu as dit que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, que tel est le salut qui leur vient de toi. C'est pourquoi je déclare que toute arme forgée contre moi est sans effet et que toute langue qui s'est élevée contre moi est condamnée. Je déclare que le monde des ténèbres est dépouillé et que tout esprit menteur qui est venu contre ma vie, contre ma famille, est dépouillé, sans racine maintenant, déraciné par la puissance de Jésus-Christ. Josué et le peuple ont fait pendant 6 jours le tour de Jéricho.
de soirée. Mais le septième jour, ils se sont levés dès l'aurore et ils ont fait sept fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils ont fait sept fois le tour. Ils ont sonné de la trompette et dès que le peuple a entendu, ils ont poussé un grand cri et le rempart s'est écroulé sur place. Aujourd'hui, Père Céleste, c'est le jour où le rempart s'effondre. Aujourd'hui, je veux déclarer ta gloire. Oui, Seigneur, aujourd'hui, je veux pousser un cri de victoire. Tu es merveilleux. Je déclare ta gloire. Glorieux est mon Seigneur. Glorieux est Jésus-Christ. Il remplit ma maison. Il remplit ma vie. Et les ténèbres qui m'avaient environné, et les montagnes qui s'étaient dressées devant moi, et les ennemis qui étaient venus contre moi, sont brisés tout à coup par la puissance de Jésus-Christ. Par son amour, je suis délivré. Il a donné Jésus à ma place pour que je sois libre, pour que je sois en paix. Quand les Israélites ont vu les remparts s'écrouler, ils ont été à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi. Ils s'en sont emparés. Ils ont délivré aussi Rahab et sa famille. Père, je suis attaqué, mais je ne suis pas surpris. Parce que tu as dit que Satan chercherait à me cribler comme du froment. Tu as aussi dit que tu prierais pour moi. En ce moment même, tu pries pour moi. Tu intercèdes pour moi. Alors si tu pries pour moi, je veux me mettre en accord avec tes prières. Je me joins à tes prières, Seigneur Jésus, pour marcher dans mon héritage. Tu n'es pas loin de moi. Tu n'es pas loin de cette situation. Tu n'es pas loin de ma vie. Tu es préoccupé par ma vie. Tu es préoccupé par cette montagne. Tu es là et tu me la montres. Et tu me dis, cette montagne ne restera pas devant moi. Ce géant ne restera pas devant moi. Cette difficulté ne restera pas devant moi. Tu me dis, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et je chargerai des paroles d'autorité, des paroles de puissance. Elles fracasseront les tympans de l'ennemi. Elles briseront tous ses os et il sera complètement anéanti. Tu es mort, Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai. Tu as été crucifié, c'est vrai. Mais tu es aussi ressuscité le troisième jour pour me donner la vie. Le troisième jour était un jour de gloire. Le troisième jour était un jour de victoire pour moi. Lorsque le soleil s'est levé le troisième jour, il annonçait ma délivrance et le secours qui me vient de toi. Le soleil prophétisa ce jour-là que je serais délivré de tous mes ennemis. À l'aube de ce jour-là, Marie de Magdala et l'autre Marie sont allées voir le tombeau. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre. Parce que l'un de tes anges est descendu du ciel. Il est venu rouler la pierre. Il s'est assis dessus et son aspect était comme l'éclair. Je n'imagine même pas, alors que son vêtement était blanc comme la neige, comment ton vêtement est blanc et comment ton aspect est redoutable. Oui, tu es un Dieu redoutable. Redoutable pour tous tes ennemis. Redoutable pour tous ceux qui se lèvent contre moi. Redoutable contre tous les esprits méchants. Redoutable contre la maladie. Redoutable contre ces esprits impurs qui, lorsqu'ils te voyaient, lorsque tu t'approchais, ils se suppliaient. Ils te suppliaient. Ne nous tourmente pas avant notre temps. Oui, il y a un temps, Seigneur, et c'est le temps aujourd'hui. Le temps contre ces esprits impurs, alors que tu es mort, oui, mais tu es ressuscité pour me donner la gloire, la victoire, la puissance, l'autorité, la paix, la santé, la guérison, la provision, tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi. Les gardes commencèrent à trembler de peur, ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus. » qui a été crucifié, mais il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Père, je m'écris, Alléluia! Je n'ai plus à craindre, car tu as été crucifié, mais tu n'es plus dans le tombeau. Tu es ressuscité.
ressuscité pour me donner la victoire, ressuscité pour me faire participer à ta gloire. Comme les remparts de Jéricho sont tombés, mes adversaires tombent entre mes mains. Comme les pierres du tombeau, la pierre a été roulée, la pierre a été vaincue. Ceux qui voulaient me bloquer sont vaincus. Cette pierre voulait empêcher Jésus d'en sortir, de sortir de ce tombeau. Et cette pierre, ce rocher, cette montagne qui s'est dressée devant moi pour m'empêcher de sortir et d'emparer mon héritage est vaincue. La petite pierre, Christ, vient maintenant détruire cette pierre qui s'est enorgueillie. Cette pierre qui est venue contre moi, je déclare que le glorieux Jésus-Christ qui m'a aimé m'a donné la victoire et la délivrance, m'a donné la guérison et la provision, m'accorde la santé et la joie, me donne sa paix, une paix complète dans le nom du Seigneur. Oui, Seigneur, en toi, je suis protégé et plus que vainqueur parce que tu m'as aimé. Chaque matin et chaque soir, le géant Goliath venait se présenter devant, en face de l'armée d'Israël. Et cela a duré 40 jours. Jusqu'au jour où le père de David l'envoya visiter ses frères. David s'est levé de bon matin. Il a confié ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il était là dans le naturel. Et quand il est arrivé au campement, il a vu ce Goliath. L'armée se mettre en position de bataille. Les Israélites contre les Philistins. Mais il ne se passait rien. Seule la peur se manifestait dans le cœur des Israélites. Quant à moi, Père, je refuse d'avoir peur. Je refuse de laisser Goliath m'intimider pendant 40 jours. Il ne passera pas 40 jours, il ne passera pas 4 jours, il ne passera pas 4 heures ni 4 minutes, car Dieu est pour moi un bouclier. Et il place tout autour de ma vie un feu destructeur, un rempart qui ne pourra être détruit, une muraille qui ne pourra être traversée, un feu qui brûlera tous ceux qui voudront l'atteindre ou la traverser. Tu mets dans ma bouche des paroles comme un feu, et le bois sera ce géant. Il périra promptement. Tes paroles dans ma bouche auront un feu, et mes ennemis devant moi seront le bois qui brûlera. Goliath était précédé de son porte-bouclier. Il s'avança vers David, fier et sûr de lui. Il examina David. Et lorsqu'il vit ce jeune homme roux, de belle figure, il le regarda avec mépris. Il commença à le maudire avec ses dieux. Et il lui a dit, « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ? Seigneur, ils peuvent parler contre moi, mais tu me protèges. Ils peuvent essayer de me faire peur, mais je résisterai. Oui, je résisterai à Satan. Et il fuira loin de moi selon ta parole. Qui osera s'attaquer au Fils de Dieu ? Celui qui m'attaque touche à la prunelle de tes yeux. Mes ennemis spirituels peuvent m'examiner et ne voir que mes faiblesses. Mais c'est dans mes faiblesses que je suis fort. Oui, je n'aurai pas honte de montrer ma faiblesse. Et lorsque je montrerai ce manteau de faiblesse, en sortira ta puissance. Je serai fort en toi, car ma force vient de toi. Je n'aurai pas honte, Seigneur, de montrer ce que je suis, de montrer mes faiblesses et de dire que par moi-même, je ne peux pas. Toi seul peux. Je n'ai pas honte, Seigneur, de venir auprès de cet ennemi sans rien dans les mains, juste ta parole dans ma bouche. Devant ces ennemis spirituels, Père, je ne pourrais gagner. Si tu n'avais pas déjà gagné pour moi, je ne pourrais pas vaincre et résister si tu n'avais pas déjà vaincu et résisté pour moi. Tu as prié pour Pierre. Tu lui as dit qu'il allait être criblé lui aussi. Tu as dit aux apôtres qu'ils allaient être criblés. Mais tu leur as aussi dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermi les frères. Père, je refuse que ma vie ne compte pour rien. Je refuse de vivre ma vie, Seigneur, les yeux fixés sur moi-même. Je veux que tu puisses te glorifier à travers moi. Je veux qu'encore, Seigneur, qu'encore les gens, les hommes puissent savoir que tu es Dieu. Je veux qu'en cette journée, Seigneur, que ce combat, Seigneur, il n'est plus le mien.
il est le tien. C'est ton combat et tu as déclaré que le combat est déjà gagné, que tu combattras pour moi. Père, ils peuvent, comme Goliath, me lancer toutes sortes de malédictions par tous leurs dieux. Ils peuvent couper des têtes de poule, façonner des actes de sorcellerie, mais ta puissance les brisera d'un seul coup. D'un seul coup, ces esprits périront. Goliath a dit, en intimidant encore, « Approche un peu pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. » Mais David a répondu, « Et je réponds à cette montagne, tu marches devant moi avec l'épée, la lance et le javelot. Tu marches devant moi avec des pratiques occultes. Tu marches devant moi avec la puissance satanique. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Je marche devant toi au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et j'applique le sang de Jésus sur moi. J'applique le sang de Jésus sur ma maison. J'applique le sang de Jésus sur mon église. J'applique le sang de Jésus sur mes biens. J'applique le sang de Jésus sur mes enfants. J'applique le sang de Jésus sur tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce qui m'appartient, tout ce qui est dans mes mains, tout ce qui m'environne. » Le sang de Jésus-Christ protège ma famille. Le nom de Jésus-Christ est un rempart, une sécurité. La parole de Dieu dans ma bouche est un bouclier, une armure sans faille. Oui, comme David, je déclare aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel, aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée contre moi saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. Oui, Père, moi aussi, je veux te déclarer à ce géant, à cet esprit destructeur, que ce n'est pas par ma force ni par ma puissance que sa tête sera coupée, mais c'est par ta parole. C'est par la croix. À la croix, tu as dépouillé les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu les as dépouillés. Tu les as vaincus. Et tu as fait de moi un plus que vainqueur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le psalmiste a déclaré, « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il opère sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour moi une haute retraite. » C'est ce que je déclare aujourd'hui. L'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est avec moi. Un matin, tes disciples ont vu le figuier qui avait séché jusqu'aux racines profondes. Et Pierre, qui se souvenait de ce qui s'était passé, t'a dit, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. » Tu lui as répondu, « Ayez foi en Dieu. » Car je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter en son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oui, je crois que tout ce que je demande dans mes prières me sera accordé. Et qu'aujourd'hui, tu brises l'arc des dominateurs. Tu romps le joug qui pesait sur moi. L'oppresseur est mis à nu et terrassé. Et moi, je garde le silence devant toi et j'espère en toi. Oui, ce silence, je refuse de m'irriter. Je laisse ta colère agir.
j'abandonne la fureur. Les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en toi posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'existera plus. Je regarderai l'endroit où il était et il aura disparu. Ta parole déclare que les humbles possèdent le pays et jouissent d'une paix abondante. Le méchant complote contre le juste, il grince des dents contre lui. Mais toi, Seigneur, tu te moques de lui, parce que tu sais que son jour arrive. Les méchants tirent leur épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux, le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite, mais leur épée, l'épée qu'ils avaient aiguisée contre moi, transperce leur propre cœur. Et l'arc qu'ils avaient créé, qu'ils avaient formé, qu'ils avaient façonné et brisé. Tu es mon roi depuis les temps anciens. Toi qui accomplis des délivrances sur toute la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du Léviathan. Tu l'as donné pour nourriture aux habitants du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui n'arrêtaient jamais de couler. À toi appartient le jour. À toi appartient la nuit. Tu as établi la lune et le soleil. L'or et l'argent sont à toi, ainsi que tous les animaux des champs. Tu as fixé toutes les limites de la terre et de la mer et tu as formé l'été, l'hiver et les saisons. Ô Dieu, qui tiendra devant toi? Qui tiendra devant ta majesté? Ta majesté remplit les cieux et les cieux des cieux sont l'ouvrage de tes mains. Toute la terre raconte ta gloire. Tout ce qui existe raconte ta gloire. Et moi aussi, Seigneur, je veux proclamer, déclarer ta gloire. Ta gloire pour moi. Ta gloire sur moi. Oui, Père, je proclame ta parole. Que ceux qui se lèvent contre moi par un chemin s'enfuiront par ce chemin. Je déclare que tu m'as béni et que tu me protèges. Tu me protèges et tu as établi dans ma vie des lois spirituelles. Tu m'as donné ta parole. Et cette parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. C'est pourquoi je parle ta parole. Merci pour les anges que tu as assignés à ma vie, qui me gardent et qui me protègent. Ils me protégeront de tout mal par ta force toute puissante. Tu me fortifieras encore dans mon être intérieur, alors que tu fais de moi un plus que vainqueur. Je suis rempli du Saint-Esprit. Quoi qu'en disent mes émotions, quoi qu'en disent les oppressions, quoi qu'en disent l'épaisseur des ténèbres qui voudraient m'environner, quoi qu'en dise celui qui est menteur depuis le commencement, je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit, que je suis rempli du Saint-Esprit et que Dieu dit, ne touchez pas à mes oints. Ne touchez pas à mes oints. Tu es glorieux, Jésus-Christ. Et nul n'est comme toi. Nul ne te ressemble. Nul n'est grand comme toi. Nul n'est bon comme toi. Nul n'est puissant comme toi. Tu es grand et ta bienveillance durera toujours. Père, tu m'as gardé jusqu'ici et tu me garderas encore. Quand Pierre est revenu, il a affermi ses frères. Des années plus tard, il a écrit dans son épître que nous lisons encore aujourd'hui, qui se souvenait de ce jour sur la montagne. Où une voix s'est fit entendre, c'était la tienne. Quand tu as dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je réalise que dans tous ces combats, mes propres combats et les combats de mes frères, de mes sœurs, tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Père, des fois, c'est difficile à comprendre. Des fois, c'est difficile à connaître la porte de sortie.
Tu as dit que tu ne permettras pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, et qu'avec l'épreuve, tu nous donneras le moyen d'en sortir vainqueur. Tu nous montres dans ta parole qu'on ne peut pas prendre notre vie. On ne peut pas. Étienne était prêt à la donner. L'apôtre Paul était prêt à la donner quand c'était le moment. Pierre, tu l'as préparé, tu lui as montré que le jour était imminent, où on allait prendre sa vie, mais en réalité, il l'avait donnée. Jésus-Christ, tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Et aussi longtemps que je vais me confier en toi, aussi longtemps tu vas me protéger. Aussi longtemps je vais choisir l'humilité, aussi longtemps tu seras avec moi. Aussi longtemps je vais me confier en toi, aussi longtemps tu me parleras, tu me montreras, tu me feras discerner, tu m'ouvriras les yeux. Tu me montreras le moyen d'en sortir. Et si souvent, Père, c'est la foi. Je crois en toi. Et je crois en ta parole. Je crois que je suis un plus que vainqueur. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu es avec moi. Et je crois que comme Paul l'a déclaré, encore une fois, il me délivrera. Il m'a délivré et il me délivrera encore. Père, je déclare que tu m'as déjà, oui, délivré plusieurs fois et que tu me délivres encore aujourd'hui. Esprit de révélation, touche ma vie. Esprit de révélation, viens dans la vie de mes frères, de mes sœurs. Donne-leur l'inspiration. Le verset de l'Écriture, la parole inspirée, la déclaration ointe, la solution pour s'en sortir. Que la foi soit leur partage, que ta parole leur soit révélée, que ta gloire les inonde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes fort dans ce combat. Et ce combat n'est pas le vôtre. Il est celui de Dieu. Confiez-vous en Dieu, frères et sœurs. Croyez en lui. Contemplez sa bonté, son amour. Souvenez-vous des combats passés et de l'issue de la foi de ceux qui les ont traversés. Je proclame la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur vous et la bénédiction divine. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée.